Quand tu es arrivé au Mali, quelles ont été tes premières impressions, ta première confrontation avec le terrain? La première difficulté, elle est simple, c'est pouvoir se déplacer, circuler. L'armée malienne et Serval avait mis en place un dispositif qui était super rigide, super contrôlé. C'est-à-dire sous le prétexte de défendre la sécurité des journalistes, sous le prétexte que c'était une zone de prise d'otages, on a souvent empêché les journalistes de partir seuls. Donc l'essentiel était que pour se déplacer, on était obligé de s'en remettre à Serval, d'être sous l'autorité Serval, d'être embarqué, embedded comme ils disent. Enfin, moi, j'ai autant faire ce peu d'échapper totalement à cette formule embedded, parce que je considère que quand on est embarqué avec l'armée, on ne voit évidemment que ce que l'armée veut bien nous montrer. L'argument de l'armée française, c'était la sécurité. La sécurité des journalistes. Oui. C'était justifié. Elle était justifiée. Elle était justifiée, mais à un moment donné, il y a eu une forme d'abus de l'argument. Sur le Mali, le danger, le risque est consubstantiel à l'exercice du métier. C'est-à-dire, moi aussi, en tant que journaliste, c'est une partie de ma responsabilité professionnelle, de mon boulot, de gérer le risque, de le prendre et de le gérer. Aussi bien pour les militaires. Personne ne dirait à un militaire, tu ne vas pas au Nord Mali parce que c'est dangereux.